Bonjour. Bonjour Franchin. J'ai l'impression de te reconnaître. Ouais, c'est le gars qui avait dit qu'il buvait le sang là. C'est pas possible. Suite. Je suis prêt. Ah ouais, c'est lui. Ça dit quoi, ça va? On est là, oh Dieu, Dieu préserve. La question d'aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que tu penses des propos d'Emma. Parce qu'elle a fait un manque de respect à Shane. Moi, je considère ça comme un manque de respect à Shane Bryden. Tu vois? Ouais. Et j'ai l'impression que elle a vraiment... Toi, tu penses quoi de ses propos? Écoutez très bien. Bon, moi, je pense que les gens qui montent dans les transports en commun, la sentent beaucoup mauvais. Seigneur. Il y a des maudits quand même, hein. Le matin, les gens qui montent dans le transub, ou bien quel que soit le transub, les taxibus, les petits taxis, les motocyclistes, là, ils sont trop mauvais. Le matin, vous sentez. À midi, vous sentez. Dans l'après-midi, vous sentez. Le soir, vous sentez. Pourquoi beaucoup de gens sentent comme ça, là? Pourquoi? Les gens sentent mauvais. Et moi, je suis pas d'accord. Et je suis un gars qui vend les parfums. Hein? Je vends les parfums au niveau de la gare routière vers la Tour. Dans la galerie Chouka, là, j'ai fait les parfums. Mais peut-être même toi-même, tu sens les mauvaises odeurs. Donc, pour remédier à ce fléau, d'accord, je vais vous proposer des parfums qui sont à moindre prix. C'est en promotion ici dans le magasin, dans la galerie 17. On va rentrer, vous allez observer. S'il vous plaît, venez acheter les parfums parce que les gens sont trop mauvais. Laisse-moi d'abord parler. Les gens sont trop mauvais, donc venez acheter les parfums. Allons-y. C'est là-bas. Mais doucement, mon frère. Doucement. Tu m'amènes. J'espère que ce n'est pas pour mes braquins. Tu es au courant de l'actualité sur une de nos artistes, Emma. Oui, Emma. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos? Parce que les Gabonais disent qu'elle a fait un manque de respect terrible à Shane Bryden. Et elle prétend... L'objectif de la vidéo, d'abord, pour préciser, ce n'est pas de critiquer quelqu'un ou d'être négatif sur la vie d'Emma. Non, moi, je veux recueillir votre point de vue pour savoir ce que vous en pensez, en fait. Bon, le problème, c'est que... Bon, elle n'est pas reconnaissante, c'est vrai, mais elle peut s'entendre aussi avec le frangin. Mais tu cours, tu es devant, c'est comme si c'était même une organisation que tu voulais faire. Je vous dis que les gens sentent mauvais, les gens sentent mauvais dans les transports. Pas près de ma bouche. Avec le temps, hein, on sait que dans la vie, personne n'est parfait. Mais moi, ce que je peux dire pour Emma, c'est qu'elle a aussi quand même un peu réfléchi pour essayer de voir comment aussi elle peut arranger pour essayer de s'entendre pour le premier pas. C'est pas n'importe qui peut aider quelqu'un jusqu'à ce niveau. C'est le Black Friday. Vous connaissez le Black Friday? Même moi, je ne connais pas. Mais il y a la promotion chez mon magasin. Venez. Oh non, ça vraiment. Si elle peut faire l'effort de prendre un peu une conscience, de s'entendre avec le frère. Parce que le frangin a quand même fait beaucoup de choses. Il faut aussi le féliciter. Oui. Féliciter qui? Shane Bryden. Shane Bryden. Ouais. Pourquoi? À cause des gestes qu'il a fait à cette dame. Tu vois un peu, non? Parce que vraiment, vraiment dans la vie, hein, moi je vois ça comme une chance, comme si Dieu l'avait envoyé, pour aider cette fille. De la sortie, on peut dire de la souffrance, de la galère. Donc tu vois que ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois comme nous, on est ici à la gare routière là. Tu vois comment on se bat. Donc ce n'est pas n'importe qui. Tu vois un peu? Ça venait. Oh non, ça vraiment. C'est ça, dans la vie, il faut être reconnaissant. Ok, merci bien. Je vois que le monsieur a envie de s'exprimer, non? Coupe la vidéo. Ah, c'est quelqu'un qui sent, avec le chamanco qui sent l'humidité.